Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 3. Et nous dirigeons vers un marqueur que j'ai posé, chers amis. On va aller chercher normalement ce qui doit être la poupée d'agilité. J'avais dit que je les ferais. Donc je vais essayer d'en faire un maximum. Hop. Une mouche bouffie, intéressant. Voilà, ça c'est fait. Bon, il aura tout bouffé. C'est pas grave. Donc voilà, bon bah on continue l'aventure sur Fallout 3, chers amis, hein, toujours en attendant Fallout 4 qui arrive vraiment dans trop longtemps. D'ailleurs, je trouve qu'on est un petit peu en manque d'informations en ce moment. Oh, encore un. Dis donc. Voilà. Un rat de scorpion, génial. Voilà, rien autour, toujours rien, parfait. Toujours pas vu d'écorcheur, hein. C'est pas plus mal en un sens. Hein. Même si je dois vous avouer, je commence à m'attendre à en voir un à chaque coin de rue maintenant. Pourquoi pas là? Alors, bonjour. Comment ça va? Boum. Oh putain. Je le sens tellement pas. Mais alors, tellement pas ce coin. Oh là là. Il y a des rats de scorpion là-bas. Il m'a vu. Il s'est retourné. Il s'est dit, tiens, je vais jeter un œil à Marcus. Après tout. Ça va, niveau dégâts, t'as pas pris grand-chose ? Ok. Tu me dis si je te dérange. Oula, j'ai pris cher, chers amis. Ça va plus dans ma tête, mais bon, c'est pas nouveau. Simpac 26. Ah voilà. Monte ta tête. Monte ta tête, j'ai dit. Ah non. Voilà. Bim. C'est con, hein. Aïe. Hop. Et boum. Bon. Qui va se calmer le pépère là? Merci. Site d'élimination des Greener Pastures. Pas maintien. Bestiole, voilà. Il me semblait avoir vu une bestiole avec une longue queue. Oh, je vois aussi une autre bestiole là-bas. Ça touche? Ça touche? Seriously?
Wow! Choc des titans, chers amis. Voilà. Bon. On progresse. Je vais peut-être faire une pause. Je trouve qu'on n'y voit rien. Une pause de 14 heures. Hop. J'en profite pour noter le nom de l'épisode, le choc des titans. Voilà. Alors, bonjour, bonjour, est-ce qu'il y a de la vie dans le coin? Ou est-ce qu'il y a plus de vie que de mort, ou moins de mort que de vie? D'accord, c'est une des grosses décharges. Bon, je vais mettre une combi. Je vais vérifier, hein. Alors. Casse-toi. Alors. Bonjour. Ça fait déjà quelques bestioles en moins. Merci. Ferraille, je prends. Ça, je ne prends pas. Coffre-fort. Pourquoi pas? La voilà, la poupée agilité, chers amis. Terminal, moyen. Generate material benefits. Non. Tactical mistakes. Ah, mistakes. Justement, en parlant de mistakes, une erreur. Mayville shielded reverted. Planning, starting, Tiajuana, bon mot de passe, déverrouillé. D'accord, donc il y avait quelque chose de verrouillé apparemment. Je ne sais pas quoi. Mine à capsule, armoire à outils, dommage. Fusil ferroviaire, une pile à fission et un autocuiseur. T'as trouvé ça dans le coin? Casier vide, vestiaire. Je vais arrêter parce que c'est chiant. Cartouche de cigarette, pourquoi pas. Boîte en métal, boîte en métal. Marteau. Ouh. Du scotch. Non, pas du scotch. Bon. Bon bah tant pis. Si vous le dites. Alors. Agilité, on a. Alors, attendez, moi faut que je retrouve. Alors. Non. Voilà. J'en profite pour retrouver donc voilà mes poupées, mon truc des poupées. Ah oui. Ah oui, je me rappelle de celle-là aussi. juste eu à voir le nom pour m'en rappeler, pour être tout à fait franc avec vous. Retirer le marqueur. Est-ce qu'elle est là? Donc, faudra qu'on aille par là. Entre là et là. Vous allez voir. Ah mince. J'aurais mieux fait de ressortir. Bon, ça devrait pas être trop dur dans la zone. Enfin, normalement, il n'y a pas de zone truc, mais bon. Comme ça. On verra. Besoin. Alors. Essayez le brass lanterne. Voilà. C'est parti.
me trompe pas de sens, attendez, je vérifie quand même. Voilà. Alors. Alors. Je me trompe pas. Attendez, je vérifie. Si je me trompe pas. Sera mieux si on part de là. Voilà, ça va dans cette zone là. Hop, station de métro, on s'en fout, on y va. Un rider face à un maître super mutant, donc il va crever. Hop, voilà, raté. C'est une brute ou c'est un maître? C'était une brute. Bon, j'ai pas eu les points. Cependant, si je suis encore en prudence, c'est que c'est encore des raiders. D'accord, qui volent des pneus. Oh. 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 T'arrêtes de translater, oui. Pam 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 pam. Voilà. Alors, j'en profite parce que je viens de le remarquer pour remettre mon manteau. Mon manteau est complètement cassé. Mon chapeau aussi. Moi je vais mettre ma blouse. Bon, une fois qu'on aura trouvé ça, faut absolument qu'on aille se faire réparer, chers amis. Ah non, vous savez quoi, on ira le voir une prochaine fois. Je vais aller, hop, à Megaton, me faire soigner et réparer tout ça, parce que ça va pas le faire. Waouh. Comment j'ai pris trop cher. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Oui, donne-moi ce que t'as donné. Nous vous remercions tous. C'est... Certainement, merci. Hop. Et peut-être qu'on peut maintenant enfin aller ouvrir l'armerie. Oui, je vais voir elle pour réparer, mais je pourrais sans doute aller en voir d'autres, hein, je pense. Peut-être juste un petit peu, hein. 7h30, c'est mieux? Oh. T'es difficile. Voilà, merci. Hop. Bienvenue. Vous saviez que le corps humain... Je veux pas savoir. Est-ce que j'ai quelque chose à vendre? Oui, non. Non, justement, non. Toi, par contre, ça m'intéresserait... il me semble qu'il faut un autocuiseur. Je sais plus. X! Lâche-moi, je ferais mieux d'y aller. Alors. Ne tentez. Pile à fission et autocuiseur. Ah voilà, on va peut-être pouvoir trouver notre bonheur. Oh. Oui, j'en ai rien à faire de ce que tu dis, tu sais. Et elle n'a pas de pile. Bon bah écoute. Tu vas récupérer de la merde, écoute, qu'est-ce que je te dise. Mes buff out, voilà, les 8. Merci. Mes jet. Mes medics, mes manta. Mes 5 psycho. Donne-moi mes sous. Voilà. Allez, bonne route. Chasse. Ah non, répare mon matériel. Oh, salut.
Elle est contente que je lui parle. Pourquoi pas. Bon, chapeau à large bord, feuille de sniper, manteau de régulateur. Voilà. Attends, faire des sous là normalement. Juste pour voir. Ouais, elle a récupéré 500 de mes sous. La gueule. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon. Même pas fichu d'avoir une pile à fission. Plus c'est le genre de machin lourd que je veux pas me balader. Tu sais quoi? Quoi de neuf? Salut Billy. Je vais revenir ce soir, moi. Ah, ah. Je veux voir si ton garde du corps il est là en pleine nuit. Si tu vois ce que je veux dire. Bon. Allons-y. Sacrée journée, hein? Non, je parie que je peux ouvrir que les distraits. Ah, d'accord, ok. Ah, va te faire entuber, ouais. Ça vaut mieux. Pff. M'en fous. J'y arriverai. Hop, et là, c'est très difficile. Très difficile, putain. Oh, je vais péter une durite. La poupée crochetage, elle est où déjà? Ah bah oui, bah justement. D'accord. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur les liens dans le descriptif de l'épisode, donc vers les différents produits Fallout 3 disponibles sur le site de mon partenaire GamesPlanet.com. Quant à moi, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.